La catéchèse de aujourd'hui s'appelle Ceci est mon sang. Et on va commencer notre catéchèse par la lecture de l'évangile de saint Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Oui. Ce texte-là, c'est un texte que Jésus parle directement de son cœur, le cœur rouge, le cœur humain de Jésus. Et on peut prendre l'image du buisson ardent pour appliquer cette image au cœur de Jésus. Dès le livre de l'Exode 3, l'ange de Yahvé apparut à Moïse dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson brûlait de feu et le buisson ne se consumait pas. Alors, le cœur de Jésus, il brûlait avec un feu d'amour pour nous que nous sommes sortis directement de la main de Dieu à son image et ressemblance, complètement pur et immaculé. Et à propos de cet amour divin, même le Seigneur a déclaré par le prophète Jérémie 31:3, je t'aimais d'un amour éternel. Et c'est pourquoi j'ai conservé pour toi l'amour. Et le cœur humain de Jésus, il a reçu de sa divinité toute cette force de l'amour divin et éternel. Et le cœur humain de Jésus n'a pas succombé à la force de cet amour, de cette flamme. C'est pour ça que je dis le cœur humain, le cœur rouge de Jésus est comme le buisson, il était complètement en feu, mais n'a pas se consumé. Et c'est pour ça que Jésus a dit à un certain moment, je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Et on peut dire que cette feu qui est présent dans son cœur, Jésus l'a manifesté tout au long de sa vie publique et d'une façon spéciale le jeudi saint, quand il s'y a donné à nous comme Eucharistie. Et où est le plus grand d'amour, là peut être présent aussi la plus grande ingratitude. Si la créature humaine ne répond pas avec un amour total à cet amour du cœur de Jésus. Et alors, cette réalité, le Seigneur a déclaré à Sainte Marguerite Marie, voici le cœur qui a tant aimé les hommes, il les a comblés de tant de bienfaits, mais qui, en échange,
de son amour infini, loin de trouver aucune gratitude, a trouvé le mépris, l'indifférence, les outrages, et ceci était même pratiqué parfois pour les âmes qui lui devaient le plus un amour particulier. Alors, on peut dire que le Seigneur ici fait une référence très charitable quand il manifeste la gratitude de ses âmes consacrées. Alors, les clergés et les âmes consacrées. Et pour que cet amour qui existe dans le cœur de Jésus peut se répandre dans le monde, alors Jésus dit, je dois recevoir un baptême et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Et alors, ces baptêmes que Jésus est anxieux de réaliser, c'est le baptême dans son propre sang qui sera versé sur la croix. Et Jésus appelle le moment de la croix comme sa glorification. Et on peut voir cette expression dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 19, versets 33 et 34. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Cela s'est produit pour accomplir l'Écriture qui dit, ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Alors, on voit que le cœur de Jésus, on peut dire la résidence de son amour, est ouvert et est sorti de l'eau et du sang, qui se multiplient au fil des siècles sur nos autels. Et alors, c'est exactement en ce moment que Jésus réalise la promesse quand il était mort sur la croix, qu'il réalise la promesse comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi le Fils de l'homme doit être élevé. Et quand je serai élevé de terre, j'attirerai tous à moi. Alors, on voit que Jésus crucifié est mort sur la croix, est présent en toutes nos églises. On voit que les protestants trouvent un scandale représenter Jésus mort sur la croix. Ils gardent au salon, les protestants, la croix vide parce que Jésus est ressuscité. Mais on conserve Jésus mort sur la croix pour montrer à quel extrême d'amour le Père nous a aimés au point de nous donner son propre Fils pour nous sauver. Et pour comprendre la réelle valeur du sang très précieux de Jésus, il faut chercher les figures de l'Ancien Testament que nous enseigne et nous prépare pour comprendre comme le sang de Jésus est très précieux et est une grande arme qu'on peut utiliser non seulement pour notre démarche vers la sainteté, mais aussi, on peut approfiter ce sang du Christ pour nous laver, pour nous purifier d'une façon spéciale par le sacrement du pardon et de l'Eucharistie.
Toutes les figures qui préannoncent le sang du Christ sont des figures provisoires, mais qui annoncent le vrai sang de la nouvelle et éternelle alliance de Dieu avec tous les hommes. Et le premier saint, la première figure qui est un préannonce du sang du Christ, c'est le sang d'Abel, du juste Abel. Et on voit que dans le livre de la lettre aux Hébreux, parle de ce sang de juste Abel. Pourquoi le sang d'Abel parle à Dieu? Parce que c'est un sang d'un homme juste qui a offert à Dieu un sacrifice plus grand que le sacrifice de son frère Caïn. Parce que Caïn, vraiment, a offert les fruits de la terre, mais avec un mauvais cœur. Et c'est pour ça que Dieu a préféré le sacrifice d'Abel. Et à cause de leur foi, à cause de la foi d'Abel, il a été considéré ou déclaré dans l'Écriture comme un homme juste. Alors, c'est pour ça que son sacrifice, à cause de la pureté de son cœur, continue. Et on voit que dans la prière eucharistique numéro 1, l'Église se réfère au sacrifice de juste Abel et le sacrifice de Melchisédek. Et alors, on voit, c'est le cœur pur d'Abel qui a sanctifié sa offrande aux yeux de Dieu. C'est par son cœur pur et par sa foi en Dieu que son sacrifice a été accepté par Dieu. Et alors, quand Caïn a invité son frère d'aller au champ, à la campagne, vraiment, Caïn a tué son frère. Et quand le Seigneur le demande, où est ton frère? Et Caïn a répondu, est-ce que je suis moi le gardien de mon frère? Et le Seigneur reprit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre vers moi. Alors, qu'est-ce que clame le sang de juste Abel? Clame à Dieu pour justice. Alors, c'est le premier crime du sang. C'est le premier saint qui est versé à terre par un assassinat conscient, prémédité. Alors, le sang d'Abel clame justice parce que c'est un saint d'un homme juste et innocent. Et alors, on voit Jésus-Christ est un fils d'Adam. Et il a versé son sang pour établir la nouvelle alliance. Et Jésus verse son sang pour réconcilier la terre avec le ciel. Et c'est le sang de Abel clame justice. Le sang de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, clame pour miséricorde pour les coupables. C'est pour ça que Jésus
clament sur la croix, pardonne-leur, ô Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est pour ça que le sang du Christ parle mieux que le sang d'Abel, même si Abel est juste. La deuxième image, c'est le sang de l'agneau que préfigure aussi le sang du Christ. Et sur la valeur du sang de l'agneau pascal, on peut voir au livre d'Exode, chapitre 12, versets 1 et les suivants. Dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron, parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang, que l'on mettra sur les deux montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frappe le pays d'Égypte. Alors, on voit l'agneau pascal de la scène pascale en Égypte et le sang de l'agneau a épargné les familles du deuxième fléau qui est tombé sur toutes les familles égyptiennes et même les animaux. Mais Jésus est le vrai agneau pascal. Comme Jean-Baptiste l'annonce, voici l'agneau de Dieu qui enlèvera le péché du monde. Et on peut nous demander quelle est la relation de l'agneau pascal juif et Jésus-Christ. On voit que les agneaux sont immolés à l'après-midi. Et au temps de Jésus, c'était à 15 heures qu'il commençait la immolation des agneaux pascal. Et pour coïncidence, quand les agneaux pascal ont commencé à être immolés, Jésus, à 15 heures, il mort. Et on voit que Dieu a fait coïncider la mort de son fils en même temps que la immolation des agneaux pour la scène pascale juive. Et la viande soit cuisinée au feu. Et Jésus aussi offre et souffre sa passion uniquement abrasée par le feu de son amour humain pour nous. Et aussi, l'agneau pascal juif, personne pourrait briser ses os. Aussi, Jésus sur la croix, aucun os était brisé. Mais pour confirmer sa mort, il n'a pas eu la même sorte que les deux voleurs, mais son côté a été ouvert par le soldat. Et on voit aussi que l'agneau pascal devrait être un agneau sans défaut. Jésus est, à partir du moment de l'incarnation, il est sans défaut, c'est-à-dire il est immaculé. Son humanité, il est immaculé. Il a pris le sang et la chair de sa mère, immaculé aussi. C'est que
Saint Paul dit au deuxième lettre aux Corinthiens chapitre 5, celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui nous devenions justes de la justice même de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, Saint Paul? Ça veut dire que le Seigneur a une nature humaine comme la nôtre, tout égal à nous, à l'exception, sauf dans le péché. Et alors, une chair, un corps ressemblant au notre corps, il a crucifié en son humanité le péché de toute l'humanité. Alors, on voit que le Seigneur, par sa mort, il vraiment, par sa mort, il ouvre un chemin nouveau. Regardez, qu'est-ce qui s'y a passé au moment de la mort du Christ, dit Saint Luc au chapitre 23, 44 à 46. C'était déjà environ la sixième heure, c'est-à-dire midi. L'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure, car le soleil s'était caché. Le rideau du sanctuaire se déchira par le milieu. Alors Jésus poussa un grand cri, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et après avoir dit cela, il expira. Alors, voyez, le rideau, c'est le rideau qu'il y avait à l'intérieur du tabernacle qui séparait la première partie, qui est le saint, de la deuxième partie, qui est le saint des saints. Et au moment de la mort, le rideau est déchiré. Alors, il n'existe plus. Un voile qui séparait la première partie du tabernacle de la deuxième partie. Le Saint des Saints est une figure du ciel. Et la première partie, le Saint, c'est une figure de la terre. Alors, Jésus ouvre par sa mort le chemin que conduit la terre au ciel. N'existe pas un obstacle parce que le Seigneur, vraiment, par sa mort, il ouvre un chemin de résurrection. C'est plus important que le sang d'agneau que a épargné le fils d'Israël du flambeau de la mort des premiers-nés. Alors, le Seigneur nous préserve de la mort éternelle, c'est-à-dire de la condamnation. La troisième image, c'est le signe de l'alliance. Alors, lorsque le peuple quitta l'Égypte, ils furent conduits par Moïse au mont Sinaï. Et est là que le Seigneur fit une alliance avec son peuple. Et Dieu confirme cette alliance par le Saint. Alors, ça est écrit en Exode, versets 24, 4 à 8. Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur. Il se leva de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne, il dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Puis, il chargea quelques jeunes garçons parmi les fils d'Israël d'offrir des holocaustes et d'immoler au Seigneur des taureaux en sacrifice de paix. Moïse prit la moitié du sang et le mit dans des coupes. Puis il aspergea l'autel avec le reste du sang. Il prit le livre de l'Alliance et en fit la lecture au peuple. Celui-ci répondit, Tout ce que le Seigneur a dit,
Nous le mettrons en pratique. Nous y obéirons. Moïse prit le sang, en aspergea le peuple et dit, voici le sang de l'alliance que sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclu avec vous. Alors, on voit que la première alliance a été confirmée par le sang des animaux. Et on voit que le même sang des victimes, des animaux immolés, a été aspergé le livre de la loi, les tables de la loi, les 10 paroles, les 10 commandements, et le peuple. Alors, la première alliance a été confirmée, a été scellée par le sang des animaux. Et est grâce à cette alliance au Sinaï que le peuple, les fils d'Israël, sont devenus le peuple du Seigneur parmi tous les peuples de la terre. C'était un privilège d'un peuple seul dans l'Ancien Testament. Mais pour élargir cette alliance, selon la promesse que Dieu a faite à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alors, la première alliance devrait être remplacée par une nouvelle et définitive alliance. Alors, ce n'est pas l'alliance avec Israël au Sinaï qui est une bénédiction pour toutes les nations, mais la nouvelle alliance est scellée pas par le sang des animaux, mais par le sang du Fils de Dieu fait homme. Et c'est pour ça que le Seigneur, dans la dernière scène, quand il consacre le vin, il dit, buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude en rémission des péchés. Alors, la nouvelle et éternelle alliance est scellée par le Fils de Dieu vivant. Alors, nous sommes vraiment aspergés par le sang du Fils de Dieu. La quatrième image de l'Ancien Testament qui annonce le sang du Christ, c'est dans le culte expiatoire. Alors, il y a, selon la loi de Moïse, innombrables sacrifices et holocaustes. Et alors est offert à Dieu plusieurs victimes. Alors, et ces victimes des animaux est offert par le sacerdoce de la tribu de Lévi et assume un caractère très spécial, surtout le jour des expiations. Et c'est même le Seigneur qui a ordonné faire ça à son peuple. Ça est écrit au livre du Lévitique, chapitre 16. Voici comment Aaron entrera dans le sanctuaire, avec un taureau destiné au sacrifice pour la faute et un bélier pour l'holocauste. Aaron présentera le taureau du sacrifice pour sa faute, puis il accomplira le rite d'expiation pour sa maison. Et il immolera ce taureau en sacrifice pour sa faute. Il prendra alors un brûle-parfum rempli de charbon ardent qui était sur l'autel devant le Seigneur. Puis il prendra 2 pleines poignées de poudre d'encens aromatique et portera le tout au-delà du rideau. Il mettra l'encens sur le feu devant le Seigneur.
Un nuage d'encens recouvrira le propitiatoire qui est sur le témoignage. Ainsi, Aaron ne mourra pas. Il prendra alors du sang du taureau et en aspergera avec le doigt le côté oriental du propitiatoire. Puis, devant le propitiatoire, il fera sept aspersions de ce sang avec le doigt. Il immolera alors le bouc destiné au sacrifice pour la faute du peuple. Il emportera le sang au-delà du rideau. Il fera avec ce sang comme il a fait avec celui du taureau. Il en aspergera le dessus et le devant du propitiatoire. Il accomplira ainsi le rite d'expiation sur le sanctuaire pour les impuretés des fils d'Israël, leurs transgressions et toutes leurs fautes. Ainsi fera-t-il pour la tente de la rencontre qui demeure avec eux au milieu de leur impureté. Alors, regardez le rituel de l'Ancien Testament pour la expiation. Le taureau était l'animal du sacrifice pour les péchés des prêtres et le bouc était immolé pour le péché du peuple. Mais on peut dire que cet rituel était temporaire. Pourquoi? Parce que ce rituel d'expiation a eu seulement la capacité de donner au peuple une purification rituelle, légale, pas une purification morale. Ce rituel n'a pas eu le pouvoir de pardonner le péché. Alors, c'est pour ça que ces rituels étaient temporaires. Mais ce rituel annonce qu'il va arriver la vraie expiation, que ce n'est pas une expiation rituelle ou légale, mais une expiation morale que quittera le péché du monde. Cette réalité définitive est écrite à la lettre aux Hébreux, versets 9, 11 à 14. Le Christ est venu grand prêtre des biens à venir, par l'attente plus grande et plus parfaite, celle qui n'est pas œuvre de main humaine et appartient pas à cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire en répandant non pas le sang de bouc et de jeunes taureaux, mais son propre sang. De cette manière, il a obtenu une libération définitive. S'il est vrai qu'une simple aspersion avec le sang de bouc et de taureau et de la cendre de génisse signifie ceux qui sont souillés, leur rendant la pureté de la chair, le sang du Christ fait bien davantage. Car le Christ, poussé par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans défaut. Son sang purifiera donc notre conscience des actes qui mènent à la mort, pour que nous puissions rendre un culte au Dieu vivant. Alors, vous regardez comme l'ancien rituel d'expiation a été remplacé par le sacrifice de Jésus-Christ. Alors, le sang du Christ est l'unique qui peut vraiment purifier et enlever le péché du monde. Seulement le sang du Christ peut le purifier. Et on reçoit cette purification à chaque fois qu'on va au sacrement du pardon. Et aussi, la cinquième image, c'est la réconciliation universelle. Pourquoi le sang du Christ réconcilie toute l'humanité? Parce que au moment de la passion de son Fils, le Père éternel a réuni au même moment
les péchés de toute l'humanité, à commencer par le péché d'Adam, jusqu'au dernier péché que se fera surface de la terre. Le Seigneur a mis ensemble tous les péchés de toute l'humanité, de toutes les époques, et a jeté ces péchés-là sur son Fils. Paye la dette de tous les hommes. Et on voit que en son Fils réside toute la plénitude des grâces. Par sa humanité, le Fils paye. Le Fils est la victime. Et par sa divinité, Jésus donne au Père l'adoration, la louange, la expiation, l'action de grâce que toute l'humanité devrait donner, mais ne donne pas parce que c'est pécheur. À notre nom, au nom de toute l'humanité, le Seigneur rend au Père le vrai culte avec un amour digne du Père. Même Jésus donne au Père la gloire que les anges déchus ne donnent pas, parce que ils sont éloignés pour toujours de Dieu. Alors, on voit que Jésus nous donne vraiment par sa mort la expiation, et par sa mort, il ouvre un chemin vers la résurrection, un chemin de résurrection, un chemin de réconciliation avec Dieu notre Père. Et c'est pour ça que la Sainte Écriture, par exemple, Saint Paul, parle le Christ comme notre propitiation par son sang. C'est-à-dire par son sang, Jésus rend le Père propice à nous qui sommes coupables. Et Saint Jean, dans sa première lettre, dit le Christ victime de propitiation pour nos péchés. Ces mots propitiation, c'est le nom que l'Ancien Testament donnait au-dessus de l'Arche de l'Alliance. C'est la couverture de l'Arche d'Alliance. Ça, c'est le propitiatoire. Et le sang des animaux était aspergé sur la couverture de l'Arche d'Alliance pour rendre Dieu propice à son peuple. Mais Jésus offre au Père éternel son propre sang. Alors Jésus est victime de propitiation pour nos péchés. Et c'est pour ça que, à partir de son mystère pascal, tous les hommes sont invités à participer des mérites de la vie, passion, mort, résurrection et glorification de Jésus, qui est notre propitiation, c'est-à-dire notre victime pour rendre le Père propice à nous qui sommes pécheurs. Et c'est pour ça que Dieu nous appelle à unir notre vie et nos sacrifices au sacrifice de Jésus-Christ. Et quand on unit notre croix à croix de Jésus, aussi Jésus nous offre avec lui pour que les grâces de Dieu miséricordieux va jusqu'à ceux et celles qu'on aime. Alors, on voit
que l'homme pécheur, par le baptême, nous sommes unis au Christ. Et cette union nous transforme en participant à la passion du Christ. Et vraiment, par le baptême, on peut être co-rédempteur. Ça veut dire, comme dit Saint Paul, que je complète dans ma chair ou que manque à la passion du Christ en faveur de l'Église. Alors, à chaque fois qu'on unit nos sacrifices, notre vie, nos souffrances, nos sacrifices à la passion du Christ, on se transforme en co-rédempteur. On aide Jésus à rendre Dieu propice en faveur pour ceux et celles qu'on aime. Alors, on voit que Saint Paul appelle la fin de sa vie, son martyre. Il appelle la libation. Alors, l'autel était aspergé par le sang des victimes. Alors, Saint Paul dit, mon sang va être offert en libation sur, entre guillemets, l'autel où je serai immolé. Alors, c'est curieux comme Saint Paul parle de son martyre sur l'image de culte juif. Alors, on voit que Saint Paul offre son sang, son martyre, uni au sang du Christ, au sacrifice du Christ, pour le salut de ceux et celles que le Seigneur a appelés à la salvation. Et on voit que vraiment, le Seigneur continue son œuvre de salut à travers des membres de l'Église que nous sommes, corps du Christ. Alors, c'est ça notre mission, d'être co-rédempteur avec Jésus pour le salut du monde. Et alors, on voit que le sang de Jésus que se multiplie sur nos autels, vraiment, le Seigneur sur l'autel, je dis une fois de plus, le Seigneur sur l'autel est né, est mort et est ressuscité pour ceux et celles qui sont là et qui participent du sacrifice de Jésus. Alors, la messe et le sacrifice du calvaire est un. On peut dire que la messe actualise l'unique sacrifice du Christ qui donne sa vie en faveur de ceux et celles qui sont présents au moment que célèbre la messe. Et bien sûr qu'on peut offrir le sang du Christ qui est présent par la consagration du vin. On peut vraiment offrir le sang du Christ pour les intentions que nous avons dans notre cœur. Et même toutes les intentions qu'on met sur l'autel au moment d'offertoire, le Seigneur va intercéder au Père éternel pour toutes les choses qu'on met sur l'autel au moment de l'offertoire. Alors, on voit que le sang du Christ continue en toutes les autels à rendre le Père éternel propice aux hommes que, malheureusement, comme Jésus a dit à Sainte Marguerite Marie, que
n'aiment pas, qui ne répondent pas, sinon qu'on, avec en gratitude, au le grand amour que le Fils a pour nous. Alors, on peut dire que c'est l'amour du Sacré-Cœur de Jésus, notre victime propitiatoire, qui a réalisé l'œuvre que rend Dieu propice au genre humain. Et pour cela, on doit faire le mieux possible, monter au ciel notre action de grâce pour cet bienfait que le Seigneur a fait pour nous d'une façon complètement gratuite, sans aucun mérite de notre part. Et en même temps qu'on élève au ciel notre gratitude, on peut aussi demander à Dieu la grâce de nous repentir de nos péchés et la grâce de la vraie conversion. Et aussi, on peut demander, Seigneur, approuve mes sacrifices de chaque jour pour les appliquer au salut de tous que j'aime, aux tous que tu veux. Parce que je suis sûr que Dieu nous confie beaucoup d'âmes. Et on doit conduire ces âmes au ciel par notre union de vie avec la vie du Christ, nos sacrifices au sacrifice du Christ, notre croix à la croix du Christ. Alors, pour terminer cette réflexion, on peut demander une grâce que Sainte Marguerite Marie d'Alacoque a demandée au Seigneur. Le cœur de Jésus sera notre refuge sûr dans la vie et surtout dans la mort. Ainsi soit-il. Amen.